Il faut oublier, pour te m'axonger, papa ici. Je dis, après tout crime qui fait dans le pays, et puis le dernier crime qui fait dans le pays, on ne peut pas son massacre qui fait dans la commune de Grissier. Quand il y a assassiné 25 paysans dans la commune de Grissier. Jean-Sainte Confet, je me rappelle que, sous Jovenel Moïse, Yon moun frappe zotel le pays d'Aïti, Pierre-Espérance qui a produit un rapport pour dire que Jovenel Moïse voye un massacre sous peuple Et c'est qu'on s'al fait mentir, il fait un rapport sous soi-disant massacre la saline, c'est massacre ça, c'est dossier ça même, qu'al touye Jovenel Moïse. Eh ben, bandi assassine 25 moun nan komis gracier est-ce que nous avons Pierre-Espérance pipe mot? Non, il pa n'a pas dit rien. Eh bien, quand on parle, la Pierre-Espérance à bataille, du et des ongles, avec Nenel Kassi, avec Jocelyn Rivère, pour vous fasse pression sur le ministre Justice a, qui s'est metté à l'os Mais justement, pour le ministre de la Justice que tu révoqué, le commissaire Peuple, le commissaire Pays, le commissaire Nation, le commissaire Tout Haïtien, commissaire qui s'est l'espoir pour la diaspora haïtienne, le commissaire Pamna, qui s'est commissaire Jean-Ernest Amuscadet. Pierre Espérance, ou fait un pile Et Mabdou, ou fait assez Où est pays Il y a toléro? Yo ont tout ce fait. Mais ma me dis, il des familles haïtiennes qui ne peuvent jamais attaquer. Comme les sont ils ne font pas ça, fait mouton. Mais ma naturellement, nous même les Haïtiens, nous, nous nou, nou, tolérants trop. Exactement, nous tolérant trop. Si Vagabond s'abouille à l'ouga ou sa à l'ouga, vient de manger petit, il faut connaître quelque part. l'elfine fait digestion. Après quelques temps, s'il te donne des de petits pour la date la caillou. Avec, pendant la fête de gestion, la pense avec petit pour la tour pour le vivre Mangile Ça veut dire qui ça Ça veut dire que si Pierre Espérance, capable de faire tout que le qu'il qu'elle fait dans la société, détruit le caractère monde tout le fait toute qualité avec malhonnête, nous tous qui sommes là, nous finissons par arriver sous quand même. Et nous sommes victimes quand même. Mais cadavre gâté. Mais cadavre politique qui est le Pierre Espérance. Il y a leader politique criminel assassin gang qui dit qu'il défendent les gens li Il met un chapeau, organisation droits humains sous dol, pour le faire capital politique. li. a une position politique li claire. Depuis le gouvernement, li attaque à tous les niveaux. Jusqu'à ce que, soit il comme président Jovenel Moïse, même si elle te l'an, ou du moins, -ou. li organise, li faire foot, jetou. ou Il crase Pierre Espérance, c'est où elle fait politique, t'as toute politique, c'est traditionnel. Yo. Son sont politique politique. Mais elle dit, la défense défendu la Est-ce que nous comprenons Ou après que... Sous Ariel, il était en composition, Ça fait ça. C'est parce qu'il était avec équipe Montana, qu'il était besoin de prendre pouvoir. Est-ce que vous comprenez ce que Sous Jovenel, il était en composition, C'est parce que Jovenel Moïse coupait contre Dimitri Vop qui se patronne. Est-ce que nous comprenons ce que je dis là? N'a pas que sous Jovenel Moïse, il était en composition claire. C'est parce que l'oligarchie pour qui il frappe dans deux dernières demandes à Jovenel Lyon. Ça veut dire que je me senti que le patron est menacé. Mais il était paniqué. Premier monde qui a attaqué, Jovenel Moïse, toute la journée, il a les pieds espérance nest assassiné qu'à Mathilus Pierre dans Delbacar en Béant, Pierre Espérance prend défense lui. Ralph Chevri assassiné Mathilus Pierre dans Delbacar en Pierre Espérance prend défense lui. Le Ralph Chevri pète courir, il traverse frontière frontières. Dominique qui est mis avec half million de dollars américains, deux millions de dollars américains, qui c'est 500 millions de dollars américains, en liquide, et c'est vérité absolue. Parce que moi, moi vive au Dominique Je t'envoie mon chou à En la République Dominicana. Pas qu'on ne sait pas l'Espagnol là bien. Même quand il y l'a des lots vrai. C'est de vérités vérité absolue. Ralphou Chevry, tu te traversé avec 700 000 kidnapping. Jodian, pour qui ça artiste qui relè isolant, pas capable de foutre aux États-Unis d'Amérique. Il faut plus zone dans le Pour sa petite pise graduée. Il n'y a pas de vide dans la graduation. Ça va pas parler, non? Comme ça fait Etienne, il et pas pas fait pas nous. Mais quand il s'agit de isolant, ou avec Ralphie ou Chevri et le prédéfense, li, sont type types qui ne nous pas jamais avec tout. non Oui, vous veut ensemble avec nous. Au contraire, nous sommes fanatiques, parce que se barricade à Nous connaissons ce carnaval li Mais isolant, fait le États-Unis, qu'on ne va pas la vola. parle la papa, là. Ça va intéresser nous tous. Parce que ça va dossier ce qui est important. Mais fait le monde États-Unis, qu'on ne va pas la vola. Attention. les y le tout de côté, oui. Mais pour le moment, qu'on ne va pas la voler. Il n'est pas capable. <laughs> États-Unis, diso. Ils ont ils ont isolant. Iso États-Unis dit boutizo, où pour qu'on va monter nos garçons. fait tout le monde Fait plus monde pour raison dans pour moi. Pour qu'on raison Qui cause isolant pas capable monter aux États-Unis d'Amérique. Al et plus dans calalou. Parole n'a pas parlé comme nous-mêmes non, il faut bientôt. Ça fait etti pas à faire nous. Parler de artistes dans pays nous pas intéressé nous. attaquer artistes non. C'est pas tempérament, nous. Peut-être que artistes quelque part en courant sponsor capable de faire position qui contraire par rapport à la position par Et c'est normal tout pour qu'elle dit position parle dans tout. doit ça, ok Ou pas, obligé contre lui Mais quelque part, là, elle fait avec méchanceté et qu'on ok Ça veut dire que, et pas artiste méchanceté, non Là, elle fait avec méchanceté et qu'on ça veut dire que volontairement, il fait attaque là, quelque part, on doit lui, Ça veut dire l'éclair, clair. Mais isolant, et isolant pas qu'à monter États-Unis, moment non C'est que pour moi, toujours, si mal informé. C'est pour moi toujours, pour nous connaître raison, raisons, c'est bien informé. C'est pour nous connaître raison, raisons, c'est mal informé. Je vais adresser c'est pour moi. Boutizo, Boutizo, à hein il va a pas uh -huh. monter aux États-Unis, non Petite belle petite fille a gradué, c'est pour Première petite fille, grande petite fille, a gradué. Et mon chou n'est pas capable de venir, Et graduation. Li. Et Isolant prend défense, il a le ou chevri qui sont kidnappeurs, assassins. Et, aliasur, Denel Kassi, joueur fantôme section 9, ok? Qui a assassiné plusieurs policiers dans Bordeaux-Presse, qui a assassiné un homme d'affaires dans Delma b en 3 février, si m'a 2021, qui est le les Pierre, l'homme s'est peut de CPJ lancé à Vidou et et bien, monsieur, tra tra traverse ses frontières à demi-million de dollars américains. Journal Dominique qui était couru, et puis après ça, ou jouez en ravette dans le pays d'Haïti, gang sal qui n'a pas micro dans le pays yo yon ouvre pour dire que vous avez, ou oui, Ralph ou environ 310 dollars américains. Bon gang amikou dans le pays d'Haïti. Haïti, pas pa l'étalité là. Parce que les gens qui parlent dans le yo d'Haïti soit dégage yo, ils reflètent exactement l'image du ya pays. salop salope sal, bon gang sal kote nous Nous sommes les même politiciens traditionnels. E Et ça fait Haïti, dans l'état de la là. Nous ne pouvons pas supporter bien. Bon assassin, bon méchant. Et jodi dit, il faut que Jasper Aïssène, naturellement, comprennent qui les médias parlent pour eux. Qu'est-ce qu'ils parlent pour les Qu'est-ce qu'ils parlent pour les pays. Il y a des références qui nous parlent dans les pays d'Aïtienko. Il y Et les PDG médias qui nous connaissent dans les pays. Pour nous connaître pour les pays. Parce que répliquent dans tous les actes malhonnêtes dans les pays. Ils Yo connaissent le dossier d'assassinat président. Et tout où es La vérité dans le dossier d'assassinat juvenile pour prendre la rue. Oui. La justice américaine a continué à frapper et jusqu'à maintenant, c'est notre seul, seul sens, nos seuls bons. N'abord que nous que qui est ce qui fait le crime, c'est N'abord ça. Que la justice américaine y est. Ça pour comprendre, elle va comprendre plus davantage. Pierre Espérance a attaqué le commissaire dans toutes les dimensions. Et en pile appel fait, en pile monde, a pété pression pour Pierre Espérance, pour que le commissaire gouvernement ne prenne pas tava révoqué mini justice peuple alors et commissaire et, et, et gouvernement peuple là et Pierre espérance selon toute information que nous gagné, m'a dis que et Pierre espérance alors nous t'avons gagné depuis en 2022 nous t'avons ba information ça et côté que me dit que alors depuis en mai 2022 c'est si pas trop peu moins c'était soit 11 ou bien 12 mai 2022, nous avons dit clairement, on toute information que Pierre Espérance a fait pression sous le ministre de la Justice là, pour avoir révoqué, pour révoquer commissaire, jeune Espuscadet. Et Michel Monsieur tu as préparé un document, alors c'était sous demande Nenel Kassi avec Justin River pas oublier Justin River c'est ancien sénateur NIP, ancien président de la République en 2016. Et le cas, c'est un ancien sénateur Nipto. C'est deux cavaliers pour le 4 deux alliés sûrs. Et c'est tout qui te mette France LB comme directeur général de la police nationale d'Haïti. Faut que nous rappelions ça. En avance. Père Espérance, même si je me suis écrit, à notre produit, un rapport sous Jimmy Cherizier alias Barbecue pour te voyer dans les Nations Unies pour te le même. Et c'est le rapport ça qui finit avec barbecue net ou connéant. Parce que communauté internationale, nan, pas de prendre Pierre-Espérance, alors pas de prendre, Les gens qui ont dit barbecue, c'est gang au sérieux, auparavant. Barbecue, c'est la pire chance pour te, pou te sauver. Mais pas de monde dans la société qui t'envient, sauver, jeune garçon ça. Toutes les barbecues dans maon, la police peut tes vie de chez derrière. cest à que les gens dans la société qui t'envient, c'est important, jeune garçon ça. Dans la police, ils ont sauvé, monsieur. Et la police t'a sauvé bon grain. Tout ça, c'est des Pierre espérance qui te fait des match là. Pierre fin avec monsieur, c'est parce que tout simplement, il te demande barbecue, il était voyé. Simon Ronnie avec l'équipe, a porté 80 000 dollars avec deux galiles barbecue pour barbecue capable d'assassiner les collègues qui relèvent Marie-Len Marie Gilles. Barbecue témoigne. Tout le monde connaît ces vérités. Mais de fait, depuis ces Pierre espérance c'est des éléments système. Je ne vais pas parler de lui. On avance. Et bien, pays a. Je nous que Pierre Espérance réviser ou bien réaccélérer sous dossier Bataille pour éliminer le commissaire Miskadé. C'est éliminer même. Parce que pas oublier, Nenel on simple, est qui détruit politiquement dans le département NIP. Raison simple, c'est parce que Avec présence du commissaire Miskadé dans le département NIP, il fait que Nenel pas exister politiquement. Alors. Raison simple, c'est parce que pas un leader politique Haïti qui fait politique sans gang. clair. Et bien, dans le son maestro dans sa gang. Il n'est pas capable de faire politique sans gang du tout. Est-ce que nous là? Il n'est pas capable de faire politique dans le département de plan sans gang. Et quelque chose à côté. Et ça cause à pas de presse? Il est quelque gang n'est pas de presse. Il finit avec la police. là. gang gangsterise la police. là. Toute police avec Nelkasi, c'est des de kidnappeurs. Et Nelkasi, sont kidnapper. Soubez-vous, soubez-vous qu'on est actionné Nelkasi en pays ça, sous Jovenel Moïse, font les éviter l'homme innocent dans le téléphone, pour éviter l'homme, rende tête au ton service. On parle avec toute franchise. Depuis qu'il a, depuis qu'il a commencé à parler avec Nelkasi, pas qui moi ça te fait? Qui est-ce qui te fait contact qui l'a négocié de que qui tout combien de fois Vite, l'homme a tout détail net. L'homme dit nos classes politiques qui a là, son classe d'assassin, son classe kidnappeur. son classe gang, son classe terroriste, son classe méchant. Ce n'est pas jouer qui quel est, non Son vérité absolue, oui. OK C'est bon jeu avec quel là, non C'est gros baga qui gela là, oui. Et même, dit que type ça qu'on sur écran le monsieur fait pression sous ministre justice avec équipe Le ministre justice qui se mette calos pas décidé prendre la pression parce que monsieur grand pile qui le téléphone qui dit monsieur évitez faire tout ça révocation Richmond son beau travail révocation elda guillaume son beau travail parce que ça c'est ça va gagner que tu as fait là que tap la persécuter les monde pour Ariel Henry. On a risponsu tout son gang son criminel son équipe qui tuer journaliste Ligue dossier sou dol mais on dit ouais si ou attaque miscadé ou a tout fini comme une justice et politiquement ou détruit et même gouvernement qui tombé. tombé. il y a plein de qui conseille ministre justice à ça Mais parole là tout pendant que nous a parlé de dossier là jeune premier ministre qui c'est docteur Gary selon toutes les informations que nous avons. Gary qui est des monde qui parle avec velle, et on dit, monsieur, et monsieur, connaît est et tout. Il dit, nous Il Je dit que pendant monsieur, à l'étranger, il connaît a suite de l'actualité dans le pays d'Haïti, il y a qui frappé contre le gang dans pays d'Haïti. Et si il gars c'est un qui envie d'éradiquer le phénomène gang dans le pays d'Haïti, la première monsieur est en pile. OK Bien que le gars doit pas courage pour le parler, même j'avais, non. Parce que nous connaissons ce se secteur voloirs, ce secteur gangs qui vient avec là. En avance. Et puis Pierre-Espérance dit la, pas sur leur vitesse, la passe de l'autre vitesse ça passe plus haut parce qu'elle a eu un gros contact. Qui ça, monsieur, dit tendez ou pe -pe oui peuple haïtien Je veux que chaque grand monde qui a été dans la diaspora, partagez une ça pour nous, pour nous faciliter plus haïtien, qui a ça qui a passé dans pays, et qui joue avec Pierre-Espérance, pour le détruire avec Jean Garçon, qui est commissaire Jean-Ernest Muscadet. Moi Je veux nous attendre avec un peu d'intérêt. Le Pierre espérance, ouais que, eh bien, le ministre justice, le gouvernement par pas envie d'elle, il passe à bon côté, monsieur qui n'a, alors, monsieur et dame qui n'a pas cette tête-là. Ok? Il y a les côtés monsieur Liu. Et surtout pour représenter quelqu'un qui lève cette tête-là. Pour être à faire pression sur le ministre, alors sur. Pour être à faire pression sur le ministre Justice, pour y à révoquer M. Kadé. C'est ça Pierre Espérance ce dit. Et l'autre côté, M. Dille, pour le passer, se dit a fait exactement ça qu'on fait. Qui est ça qu'on fait La a produit un rapport. Même je l'ai produit sur Babécu. Il l'a le voulu devant le représentant Binu dans le pays d'Haïti. Deux représentants Binu, rapport dans les États-Unis Et puis, ça, y tout. On l'a. au l'a entendu aujourd'hui. Qui Nations Unies Qui est sont invités pour venir prendre sous tribune pour venir parler des phénomènes de, de la sécurité dans le pays d'Haïti? La, la Pierre-Espérance. Et le Pierre-Espérance vient parler, la pour dire que le chef de gang dans le pays d'Haïti a pas de barbecue et de muscadet. C'est ça, Pierre-Espérance, pour le faire. M'a dit, papa, ici, à partir de aujourd'hui, tout commence à filer un bâton. Prépare un bâton avec tout piquant. Prépare un rachat avec tout, avec manchette bien faite. Manchette non bien filée. Gasoline, caoutchouc, allumette. Préparez le métier là. Parce que je ne trouve pas Jou fait la tombe dans de l'eau, c'est pas j'aime jouer ça pourri. Parce que met, bat chéan, met de mette bat chien, mais on met tant de mettre lui parce que l'on mettre quand même. Parce que l'on a fait ça la pfea, faut le connaître qu'on compte le vivre, le vivre dans le dernier bout li. Et dossier muscadien, c'est bout de pierre espérance. Et nous devons faire pierre espérance sentir que c'est bout li nan mal que l'on fait payer ça. n'est pas acceptable, n'est pas possible. Classe politique en servie avec monsieur pour détruire tout le monde de bien. Secteur privé gang en servie avec monsieur pour assassiner le président Jovenel Moïse. Ils ont servi avec monsieur pour trouver tout le monde de bien dans la société. Ils ont servi avec monsieur pour faire la police tourner ou la police gang. Ils ont servi avec Pierre Espérance pour détruire le caractère de monde de bien. Et c'est Wallis, son élément clé dans le système. Et son élément présence, li, son véritable obstacle, danger pour la nation haïtienne. Peu de haïtienne, nous, nous ne pouvons pas continuer comme ça. Et pour tout le monde, sur ça, les pas continuent. Il faut que nous admettons que les le pas continuer. Il Faut que nous prenions toute disposition pour que ça ne continue. Parce que ce n'est pas possible. Ce n'est vraiment pas acceptable pour que nous tolérions ou que j'ai des doubles à la de la société. Parce que ce sont les qui sont liés. Ce sont bêtes sauvages qui sont liés. L'école, si vous n'êtes pas intéressés, il ne va pas prouver ça. Mais c'est faire la dans la question de la gang seulement qui est intéressée. Dans le cap de la gang, il ne va pas être intéressé. Dans le cap de la gang, il ne va pas être intéressé. Dans le cap de la gang, il ne va pas être intéressé. Il ne va pas être un rapport. Pour le djoume qui est oligarque, qui vend dans le pays, qui vend des balan. dans le pays, ceux parce que c'est pas drôle. Mais la détruis tout, tout Haïtien dans le pays d'Haïti qui est pour défendre la majorité du peuple. Fanoubaï Pierre-Espérance, bo Nickembe. A bon entendeur, salut. à c'est 3 juillet 2024. Premier ministre, Dr Gary Koni... est parlé aux Nations Unies. Nous prenons le temps de ce que Dr docteur Gary Coney dit aux Nations Unies, je veux dire. Et puis par la suite... Il e, y nan general, a plein de choses que nous pourrions partager ensemble avec vous L'académie, c'est ça que dire. Parce que... Il faut que nous connaissions ce qui a passé. dans le pays-là. Et il y a naturellement... Une délégation... Une machine de diplomatique... Une machine de gros figuier ambassadeur... Qui débarquait... Dans le grand quartier général... Force à Médahiti qui trouvait lui... Sous le chef de masse, là, je veux dire. Et... Nous pourrions poser la question...

Conseil sécurité des Nations Unies est réuni. Mais de fait, nous allons courir pour attendre l'intervention actuelle pour le ministre qui est le Dr Gary Connie. On attendait l'intervention dans les Nations Unies et puis par la suite pour avancer avec la programmation. Tout d'abord, je salue chaque personne qui a attendu l'émission, quel que soit côté sur la terre. Apprenez de nous partager, commenter, like et puis abonner avec la plateforme YouTube. InfoB3. Et puis, commenter, quitter ton commentaire pour nous parler avec chef de gang criminel assassin qui est le Pierre Espérance. Parce que est extrêmement important pour nous parler avec Volo, ça, pour nous parler avec Théo ça, pour nous parler avec chef de gang. Ça. Haïti, il y a Après le commandant G Philippe, il deux grands monde. Parce que le pays a trois monde. Là, dans le général, il y a trois monde. Quoi souvle. De vous gagnez-vous comme dirigeant de la pays d'Haïti, pas de moyens pour parler de l'espoir. Établi. Abgain stabilité, abgain sécurité. Premier, il est Guy Philippe. Deuxième, il est M. Luc Mandelil. Troisième, il est Jean-Ennnès Cadet. Mais de trois mouns à vous pourrez. Dans la chaîne sécurité pays pays, pour que c'est Haïti va aller en souffle. Jodi à la même. Alors tout d'abord, on a tourné sur ça. On a entendu le premier ministre Gary Kony qui a la parole. Dans le Conseil de sécurité de Nations Unies, qui c'est le 3 juillet 2024. Attendez ça. Et nous prenons le temps de Dr. Gary Coney, qui prend la parole et dans le Conseil de sécurité des Nations Unies, jeudi, c'est 3 juillet. En avance. Et à l'heure, Dr. Et à l'heure, est-ce que c'est OK? OK? Voilà. Et tu comprends la connexion? Et OK? Et. Voilà. On a pu arranger. Euh, si le problème s'aboure, que possible. Nous allons essayer encore. Nous allons essayer, c'est très important. Okay. Je vous commencerai évidemment par reconnaître la sécurité. Je vous commencerai évidemment par reconnaître la présence dans la salle du ministre des Affaires étrangères dominicaines, M. Alvarez, de la représentante du Canada, de la représentante de Saint-Kitts et Nevis, et de, évidemment de la, du représentant de Kenya. M. le Président, Mme la représentante spéciale du BINI, honorable <laughs> membre du Conseil, c'est avec un sentiment profond de lourde responsabilité, un espoir renouvelé dans l'engagement d'Haïti à être actrice de son propre devenir que je partage avec vous aujourd'hui les aspirations des millions d'Haïtiens. En effet, malgré des années de lutte acharnée et de résilience inébranlable, notre peuple continue de se battre pour un avenir meilleur. Haïti, enracinée dans une histoire de courage et de liberté, est prête à tourner la page décisive de son histoire. Avant tout, permettez-moi d'exprimer ma gratitude envers l'ambassadeur de la fédération de Russie, son excellence, monsieur Vasily Nebanzia, pour sa présidence du Conseil de sécurité ce mois-ci, et je lui souhaite plein succès dans l'exercice de ses responsabilités. Je tiens également à remercier la, pré la, pré la présidence précédente, assurée par la République de Corée pour son engagement exceptionnel et la gestion efficace des travaux du Conseil qui ont renforcé notre mission commune. J'adresse un remerciement spécial au secrétaire général pour son soutien indéfectible envers Haïti depuis son entrée en fonction. Son dévouement pour la cause d'Haïti et sa volonté à travailler à nos côtés pour surmonter nos défis reflètent l'esprit de solidarité nécessaire à notre progrès. Sa présence continue et son soutien sont une source d'inspiration et de confiance pour le peuple haïtien. Monsieur le président, madame la représentante spéciale du BINU, honorable membre du Conseil de sécurité, <coughs> je tiens aussi à exprimer mes sincères remerciements à Madame Maria Isabelle Salvador, représentante spéciale pour Haïti et chef du bureau intégré des Nations unies en Haïti, pour son rapport détaillé et sa présentation perspicace sur les récents développements en Haïti. Madame la représentante, votre analyse approfondie et vos observations critiques offrent une importante, euh, offrent une importante note de compréhension des enjeux actuels. Je remercie également les membres du Conseil pour leur intervention précieuse aujourd'hui. Votre dévouement et votre engagement en faveur de la stabilisation et du progrès en Haïti sont profondément appréciés. Nous sommes conscients des préoccupations soulevées par le rapport du BINU et partageons l'urgence de résoudre de manière durable les problèmes de sécurité exacerbés par l'activité des bandes criminelles. Ces défis menacent le tissu social et économique de notre pays et entravent nos efforts de reconstruction et de développement. Le rapport souligne également les progrès dans la mise en place de structures de gouvernance transitoires qui sont vitales pour la stabilité politique et sociale d'Haïti. Nous encourageons donc le support, le support du BINU dans l'appui du processus politique pendant ces périodes de turbulences politiques. Ce rôle reste important pour réduire les tensions, préserver et multiplier les espaces de discussion, encourager le dialogue inter-haïtien. L'établissement d'une collaboration solide et d'une coopération efficace entre les autorités nationales de la transition, la mission multinationale d'appui à la sécurité et le BINU, Demeure fondamentale et nous aidera dans notre mission de rétablissement de la sécurité et de restauration des institutions démocratiques qui sont des stratégique stratégiques de la transition. Monsieur le Président, Madame la représentante spéciale du BINU, honorable membre du Conseil de sécurité. La solidarité entre les peuples est rudement mise à l'épreuve par les conflits locaux, nationaux et internationaux. Près d'une trentaine de conflits majeurs affectent en ce moment les populations, provoquant ainsi de graves crises humanitaires et des nombreux corps de personnes développées, déplacées. Pourtant, c'est dans ces instants fort difficiles que la solidarité tient sa quintessence. Haïti, tout au long de son histoire, a parfaitement démontré cette solidarité agissante entre les peuples. Tantôt initiatrice et tantôt bénéficiaire, la nation haïtienne, dès sa jeunesse, a toujours fait de la solidarité internationale un des piliers de sa vision du monde et de son engagement. Aujourd'hui encore, Haïti appelle à cette solidarité pour sortir de la crise qui ronge depuis plusieurs décennies et réussir aussi sa transition dans la durée et la mission se veulent très limitées. Chaque jour doit être mis à profit intelligemment. Voilà pourquoi depuis ma désignation en tant que chef de gouvernement, plusieurs séances de travail ont été tenues avec le Conseil présidentiel de transition, les institutions de lutte contre la corruption et l'impunité, les forces de l'ordre haïtienne, le secteur privé des affaires, le conseil électoral, les représentants des collectivités territoriales et évidemment les associations de la diaspora. Dans cette même perspective, plusieurs acteurs du gouvernement m'ont accompagné dans des rencontres stratégiques avec des bailleurs et opérateurs de l'international. Au vu des engagements qui s'annoncent, je joins ma voix à celle du peuple haïtien pour remercier ses partenaires techniques et financiers de leur accompagnement jusqu'ici pour l'avendement d'une Haïti meilleure. Plus que jamais, Haïti doit mobiliser toutes les ressources nécessaires et disponibles pour faire de cette transition la dernière et qu'elle puisse la placer sur la voie de la paix, de la sécurité et du développement durable. Ainsi, il est de notre devoir de construire des partenariats solides et sincères en vue de trouver les stratégies adaptées tenant compte des aspirations du peuple haïtien. Haïti se trouve à un moment critique où 12 000 individus armés tiennent en otage une population de 12 millions. À ce tournant décisif, aucun chantier, qu'il soit économique ou politique, ne peut être abordé sans la question sécuritaire. C'est d'ailleurs pourquoi mon gouvernement Et... salue la mise en œuvre des engagements pris à travers la résolution 2699 relatif à la mission multinationale d'appui à la sécurité. Le déploiement du premier contingent des policiers aux côtés des forces de l'ordre haïtienne devra contribuer à mettre un frein au barbarisme des groupes criminels. Cependant, Haïti doit échapper à la spirale des missions sécuritaires définitivement. Pour ce faire, il faut redéfinir les approches pour qu'au terme de la MEAS, le pays dispose d'institutions fortes et efficientes pour que nos partenaires internationaux et nous autres éprouvions le sentiment du devoir accompli. Et pour gagner ce pari, mon gouvernement engagera une approche sécuritaire holistique et de proximité. Holistique car il faut adjoindre de manière efficace le redressement économique et l'accessibilité des services sociaux de base de proximité car il faut rétablir la confiance de la population dans sa police. Dans ce contexte, la réforme de la police nationale deviendra un élément indispensable. Notre situation exceptionnelle de sécurité nous commande une police de proximité capable de rétablir et de maintenir l'ordre public et la paix civile non pas en misant exclusivement sur la répression, mais aussi en s'appuyant sur la prévention et l'accompagnement. La réforme dont il est question couvrira les dimensions logistiques, opérationnelles et financières nécessaires à la mission de sécurité de l'institution policière afin qu'elle soit en mesure de protéger et servir convenablement la population. Nous entendons mettre, en place, nous entendons mettre ainsi le cap vers la réconciliation police-population. De sérieuses procédures d'assainissement interne sont déjà envisagées pour restaurer la confiance dans cette institution qui doit être désormais crédible et efficace. Les forces de l'ordre haïtienne et la mission multinationale d'appui à la sécurité ne peuvent à elles seules garantir cette paix définitive qui se veut être le paradigme de ce nouveau gouvernement. Faire de la sécurité la question de chaque village, de chaque communauté, doit impliquer le soutien de la population. C'est la raison pour laquelle je préconise l'élaboration d'un plan global intégré et réaliste pour accompagner la population. Celui ci doit, celui -ci doit prendre en compte l'établissement d'infrastructures adéquates et conformes aux normes de construction moderne, la réorganisation de certaines villes, la réhabilitation, l'implémentation de services sociaux de base fonctionnels et le développement de pôles d'emploi de, 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 et, et de développement dans les communautés. Ce n'est que par cette voie que nous arriverons à rétablir une paix et une sécurité durable en Haïti. Cette approche holistique intégrée et réaliste s'inspirant du courage et de la résilience du peuple haïtien sera celle incarnée par ce nouveau leadership de la transition. Par conséquent, avec nos amis de l'international, il devient opportun de revisiter l'accompagnement accordé à Haïti. Cet accompagnement qui est un devoir de solidarité entre les peuples ne peut se limiter au contour des seules volontés de l'accompagnateur. Il doit faire de l'accompagner un acteur apte à appréhender les défis et à décider de son destin. Les difficultés auxquelles est confrontée, à, la, les difficultés auxquelles est confrontée à Haïti sont énormes, avec un taux d'inflation qui déplace les 27 près de 50 des emplois, emplois perdus, rien que dans le secteur textile, une insécurité alimentaire qui affecte 4,5 millions de personnes, sans compter les 600 000 déplacés internes et les 500 000 enfants déscolarisés. Le pays est en proie à une violence qui paralyse le fonctionnement de dizaines d'hôpitaux et de centres de santé. Des dizaines de commissariats et de centres d'incarcération ont été endommagés ou détruits. Des milliers de prisonniers sont en cavale. La liste pourrait être plus longue. Cependant, la volonté de travailler à la résolution de ces problèmes urgents, manifestés par les principales parties prenantes de l'accord du 13 avril, laisse transparaître l'espoir. La collaboration entre les différentes parties prenantes a créé une atmosphère de travail apaisée permettre au Premier ministre, en accord avec le Conseil, président, de, le conseil des présidents, d'arriver à constituer un nouveau gouvernement inclusif, réduire le train de vie de l'État, instituer des ministres délégués, nommer un nouveau directeur général de la police et accueillir le premier contingent de la mission multinationale. Cette gouvernance partagée entre des acteurs politiques, économiques et de la société civile, facilitée par les partenaires internationaux, dont la CARICOM, qui n'a guère ménagé ses efforts à travers ses éminentes personnalités, Démontre qu'il a, qu a été fait le choix le plus adapté au contexte explosif qui sévissait sur les choquets politiques haïtiens. Cependant, la méfiance, la fragilité et les tensions latentes qui sous-tendent la dynamique politique haïtienne ne doivent en aucun cas être sous-estimées. Nous sommes une jeune démocratie qui ne cesse de s'écarter depuis des années de la gouvernance démocratique. De ce fait, une alerte en permanence s'impose pour sauvegarder les rares acquis. Aujourd'hui, la transition en cours tout en s'inspirant de la feuille de route délimitée dans l'accord du 3 avril 2024, doit être celle devant pavé la route à la fin de cette période transitoire, démo, transitoire entamée depuis trois, trois décennies. Et ce par des réformes institutionnelles et légales, d'une part, par la création d'atmosphères propices au relèvement économique et à l'organisation d'élections non contestées, d'autre part. Tout accompagnement des partenaires internationaux devra prendre en compte la vision du gouvernement de cette transition, pour que plus jamais Haïti ne replonge dans le Monsieur le Président, honorables membres du Conseil, il n'existe pas de fatalité haïtienne. La situation qui prévaut en Haïti est la résultante d'une politique séculaire séparant l'État de la nation et qui, du coup, fait abstraction de la résilience, de la ténacité, de l'empathie et de la générosité du peuple qui aspire au bien-être. Ainsi, une synergie et une solidarité locale et internationale deviennent incontournables. Au cours de ma carrière de fonctionnaire des Nations Unies, j'ai observé une multitude d'initiatives internationales visant à soutenir le développement et à stabiliser dans les pays de crise. Haïti en particulier a bénéficié de diverses formes d'assistance internationale, chacune conçue avec l'intention de remédier aux multiples crises que nous avons affrontées, des catastrophes naturelles aux crises politiques et économiques. Malgré cette aide substantielle, les résultats à plusieurs égards restent insuffisants. Il est grand temps qu'Haïti et ses partenaires se posent une question fondamentale. Qu'allons-nous faire différemment À cette question, je peux déjà vous dire qu'en Haïti, nous avons pu commencer à assembler des hommes et des femmes honnêtes, responsables, courageux, compétents et qui inspirent confiance. Ce leadership s'engage à réaliser des élections transparentes et participatives en vue du renouvellement du personnel politique et de suivi efficace et dynamique. Ces élections contribueront à l'avènement de la stabilité politique et institutionnelle. Pour ce faire, elles seront encadrées en amont d'un processus de réforme constitutionnelle, de révision du cadre légal sur le fonctionnement et le financement des structures politiques, d'appui à la bonne gouvernance, de renforcement des mécanismes de lutte contre la corruption et l'impunité, et de développement d'une stratégie sécuritaire police population, de la modernisation de l'appareil judiciaire, et de la mobilisation de la population pour une participation massive, notamment les jeunes et les femmes dans le processus électoral. Comme annoncé plus haut, nous allons favoriser une approche plus intégrée et plus stratégique en impliquant tous les acteurs gouvernementaux, non gouvernementaux, internationaux dans une planification et une exécution cohérente. Nous allons également nous concentrer sur la capacité à long, à long terme plutôt que sur les solutions à court terme, en renforçant les institutions locales et en soutenant les efforts de développement durable qui sont alignés sur les priorités spécifiques d'Haïti. En abordant la situation complexe et souvent tragique d'Haïti, il est essentiel de reconnaître que la responsabilité principale d'adresser nos défis incombe à nous, Haïtiens. Nous n'allons pas déléguer notre responsabilité. Cependant, nous reconnaissons aussi que les actions et les politiques internationales ont façonné et de façonner le contexte dans lequel nous luttons pour la stabilité et le développement. Cette reconnaissance mutuelle de responsabilité partagée est cruciale. Alors, okay, et je vous rappelle que jeudi 3 juillet 2024, c'est l'intervention du premier ministre Dr. Gariconi dans une réunion ça qui fait dans le Conseil de sécurité des Nations Unies jeudi en même. Et dans New York City. En outre des interventions, premier ministre Dr. Garigoni et dans l'occasion 1. Pour établir un partenariat respectueux et efficace, capable de soutenir Haïti dans la construction d'un avenir meilleur, tout en respectant notre souveraineté et notre droit à l'autodétermination. C'est une ère de reconnaissance pour Haïti, marquée non seulement par le désir de surmonter ses adversités, mais aussi par des actions concrètes qui unissent notre engagement envers la paix durable et le développement. Nous appelons la communauté internationale à reconnaître et à soutenir cet élan en collaborant de manière constructive et respectueuse pour accompagner Haïti sur le chemin de la récupération et du renouveau. Monsieur le Président, Madame, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, en ce temps critique, alors que nous accueillons de nouvelles forces de sécurité internationales en Haïti, il est essentiel de rappeler que notre histoire avec les interventions étrangères est teintée d'expériences contrastées. Bien que certaines aient apporté un soutien et stabilité, d'autres ont malheureusement laissé des souvenirs douloureux en raison de violations des droits humains et d'un manque de respect pour la souveraineté et la culture locale. Ces événements passés ont à plusieurs reprises exacerbé les défis plutôt que de les résoudre, laissant une empreinte indélébile sur la mémoire collective de notre peuple. Aujourd'hui, nous nous tenons à point de convergence entre le passé et l'avenir, où chaque action et chaque décision doit être guidée par les leçons apprises. Nous avons une opportunité unique de redéfinir notre collaboration en veillant à ce que toute assistance étrangère soit conduite avec le plus grand respect pour les principes de transparence, de responsabilité et surtout en harmonie avec les aspirations et les besoins des Haïtiens. En avançant, nous devons mettre en place des mécanismes qui assurent non seulement la sécurité, mais aussi la dignité et le respect de notre peuple. Cela nécessite une coordination étroite et une communication constante. Entre toutes les parties impliquées, pour assurer que les erreurs du passé ne se répètent pas. Notre pays est à un tournant crucial de son histoire. Nous nous trouvons devant un défi colossal, mais aussi une opportunité sans précédent de restaurer la paix et la sécurité dans notre relation. L'arrivée récente du premier contingent de la mission multinationale d'appui à la sécurité marque le début d'une ère pour Haïti. Cette mission conduite avec le soutien de nos frères et sœurs kenyans, que je remercie du fond du cœur, est un témoignage vibrant de la solidarité internationale et un pas concret vers la stabilisation de notre pays. Nous allons reprendre le contrôle du territoire haïtien maison par maison, quartier par quartier et ville par ville. Ce n'est pas juste une opération de sécurité, c'est une renaissance de l'esprit national, un renouveau de notre engagement envers l'ordre, la justice et la paix. Nous euh, renforcerons nos capacités non seulement en termes d'équipement, mais aussi par la formation et le renforcement des compétences de nos forces de l'ordre. Dans cette démarche, nous sommes guidés par une stratégie bien définie et une volonté de coordination sans faille entre toutes les parties prenantes, tant nationales qu'internationales. Notre approche est stratégique et mesure chaque pas vers la libération de notre territoire des griffes de la criminalité. Cette stratégie en cours d'élaboration avec le Conseil de transition s'appuie sur, sur les principes de rigueur et d'efficacité pour garantir la sécurité de notre pays. Haïti porte fièrement le flambeau de la liberté qui a éclairé le chemin de l'émancipation bien au-delà de ses frontières. Notre lutte héroïque pour l'indépendance a non seulement brisé les chaînes de l'esclavage, mais elle a également inspiré d'innombrables peuples de se lever pour leurs droits iné... iné... inaliénables à l'autodétermination. Aujourd'hui, en dépit des défis formidables que nous affrontons, l'esprit indomptable de nos ancêtres continue de nourrir notre résolution. Votre soutien continu, votre foi en notre peuple et votre reconnaissance de notre souveraineté ne sont pas seulement appréciés, ils sont essentiels. Ensemble, avec courage et intégrité, nous pouvons transformer Haïti en un exemple de résilience et de renaissance. Pour conclure, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Permettez-moi de vous dire qu'Haïti se tient à l'aube d'une ère nouvelle. Notre résolution reste inébranlable et notre espoir indomptable. Dans cet esprit, nous appelons à la solidarité mondiale, non seulement en reconnaissance de notre lutte euh, commune pour la dignité humaine, mais aussi parce qu'il est du devoir moral de la communauté internationale d'accompagner ceux qui aspirent à un avenir meilleur. Ensemble, avec l'appui continu et renforcé de nos partenaires internationaux, Haïti progressera vers la paix durable, la stabilité et la prospérité. C'est par notre collaboration et notre engagement mutuel que nous pouvons transformer les défis d'aujourd'hui en des victoires de demain. Merci de quoi en Haïti, de quoi en notre capacité à surmonter, à reconstruire et à prospérer. Ensemble, écrivons le prochain chapitre, un chapitre où chaque haïtien aura la possibilité de vivre dans la sécurité, la prospérité, la dignité, un chapitre où chaque haïtien redevient l'acteur principal de son propre devenir. Je vous remercie. Voilà, et c'était pour émener docteur Dr Garikoni, qui était fait discours à, jeudi à la même, devant l'Assemblée devant générale, conseil, alors devant le Conseil de sécurité des Nations Unies, parce que n'oubliez, c'est des conseils permanents, Conseiller permanent qui fait partie des conseils, ça, et dans et de Undon... nous. Et... les Nations Unies, et je dis, on est réunis, et c'est Haïti qui était à l'ordre du jour. Et le premier ministre a fait des déclarations, ça, et que que nous avons gagné des commentaires sur lui, mais c'est naturellement pas la suite. Et alors, il y a un que le premier ministre dit qui est extrêmement important, pour nous connaître. Il s'est dit que il y a 12 000 personnes qui prennent 12 millions Haïtiens en otage. Parole, ça fort! Et ça doit faire débat. Il est extrêmement important. nous de tout. Si 12 000 personnes prennent 12 millions Haïtiens en otage, il n'y a pas 12 000 seulement. Il y a environ 20 à 25 000 personnes qui prennent haïtiens en otage. Et, et, pas... et il ne a même pas politiciens là-dedans. Et comme ils ne doivent pas... Et... Ils ne doivent pas... Ok Et comme l'église ne doit pas qu'à pas démissionner directement, et... Ok Il ne pas qu'à dimissionner directement. Peut-être que tout et à la globale même parce que si il tape des politiciens là-dedans, parce que naturellement, il va parler de 12 000 seulement. Parce que quand vous n'avez peut-être pas eu, vous-même personnellement,